Au cours de la première vidéo, tu as pu voir le Nancy historique, Plastane, vieille ville. Maintenant, tu explores le Nancy moderne, côté gare, cours Léopold, le Nancy universitaire. Mais c'est également un Nancy empli d'art. L'art nouveau y a essaimé. Mais désormais s'ajoute le street art. Notamment l'exploration du côté de la gare. Oui, c'est bien du côté de la gare que la tourtière y domine le centre-ville. La porte des Îles se dresse au bout du cours Léopold, une place dessinée fin du XVIIe siècle. Elle porte le nom d'un officier tué à Nancy lors de la Révolution française. D'ailleurs, une question, qu'est-ce que le comble de la porte ? Ben, tu as trouvé, c'est de porter un nom. J'avoue, on peut mieux faire. Quelques rares pavillons côtoient les façades parfaitement alignées du cours Léopold. Chaque mois d'avril, la place accueille la foire attractive depuis des décennies. Au centre des congrès, proche de la gare, on remarque le taureau rouge, curiosité inscrite dans le parcours ADN. Nous y reviendrons plus tard. Le lieu qui a le plus évolué en fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, c'est le quartier des Rives de Meurthe. Thank you.
Le musée de l'école de Nancy, il faut le visiter pour comprendre à quel point différentes industries ont été portées au statut d'art. L'école de Nancy est une association qui vise à mettre des œuvres au service des foyers. Elle est présidée par Émile Gallet et co-présidée par Louis Majorelle, Antonin Dôme et Eugène Vallin. Les œuvres sont issues de l'ébénisterie, de la ferronnerie, de la verrerie, de la cristallerie céramique, de l'industrie du bois, du bronze et bien d'autres. Le courant Art Nouveau puise l'essentiel de son inspiration dans la nature, les plantes, les fleurs, les animaux. Thank you.
dôme au musée des Beaux-Arts, restons dans cet édifice de la place Stanislas et passons dans les étages pour d'autres collections prestigieuses allant du 15e au 21e siècle. Thank you.
changement catégorique de style. Eh ben non, c'est pas le requin. C'est mieux pour conserver sa liberté? À toi de décider. En tout cas, Steph, si tu m'entends, envoie-nous du soleil sans modération et garantis-nous le véritable soleil de Marseille. Voilà que c'est bien demandé. En retour, voici la série de passants et de pigeons sur le thème « Je te regarde ou pas ». Mademoiselle, retourne-toi, je suis derrière toi. Les pigeons qui passent et repassent, ils sont payés pour le faire? Eureka, j'ai compris, ils recherchent leur pote qui était exposé le mois précédent. Poursuivons le parcours ADN qui veut dire art dans Nancy. Des œuvres sont à découvrir sur différentes façades dans la ville, mais pas que des façades. Chardon est un symbole adopté quand le duc René II a sauvé Nancy et associé à son duché une devise devenue « qui s'y frotte, s'y pique ». Et terminons par un tour de spécialité, en particulier les bonbons à la bergamote qui, comme tout le monde sait ou pas, sont acidulés à l'essence de bergamote, un citron venant du sud de l'Italie.